Bonjour à tous, ici Iconite MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 11 sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'intégrale. Il est temps de continuer l'aventure après s'être laissé encore une fois devant un sanctuaire. C'est même pas fait exprès, hein. C'est fait en fonction du temps. C'est juste qu'à chaque fois au loin je vois les sanctuaires, parce qu'une fois de plus la nouveauté dans ce Zelda là, c'est que les sanctuaires tu les vois au loin. Donc du coup ça t'attire en fait, t'as envie d'y aller. C'est un truc de dingue, donc du coup à chaque fois on s'arrête à un sanctuaire. Donc voilà, écoutez, on continue le rituel. Au bout d'un moment forcément, vu qu'ils seront tous faits, on ne pourra plus le faire. Mais ce n'est pas grave, en tout cas je vais pas faire la même erreur puisque je tourne cet épisode à la suite, je vais le faire. Donc c'est parti, on commence direct avec un sanctuaire. Et enfin c'est parti, hein. C'est parti. Alors, le sceau de la foi. Ah. Ok, il faut amener une bouboule ici. Il faut amener une bouboule. Oi. Long bâton solide. Ouais. Ah, je peux pas l'escalader? Oh, je peux certainement faire ça là. Ah, je peux pas utiliser quand je suis accroupi. Bon à savoir. Faut amener une autre bouboule ici. Ok. Je fais peut-être un tout petit peu trop le malin. Oh, il me canne. Amalgamer des armes, hein, je crois. Hein. Là, je crois qu'il est grand temps d'amalgamer des armes. Bon. Qu'est-ce qu'on va amalgamer comme truc? Déjà, on va dropper tout par terre. Matériaux. Ah, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Celle-là, elle est faite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore amalgamer? On a ça. Voilà.
Et voilà, comme ça on a des armes qui font masse dégâts. Surtout celle-là. Rouillé là. Je crois qu'il en reste. Non, il est mort, il est venu me rejoindre en fait, avant c'est pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Faut ouvrir les portes, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai sifflé, ça les a. Ça les a attirés. Alors je comprends pas, il faut que je trouve une boule. Ah, attendez. Oh. Là on voit qu'il y a une grille. Ouais. Ok, bon, on a la bouboule qui est là. Ça, je sais pas. Ah, ça me fait tomber ici. Oh là, c'est quoi ce sanctuaire là? Qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire de fou? On sait bien qu'on est tombé là, on a pu récupérer le coffre. Une clé? Oh bah j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. J'ai vraiment bien fait de venir. Ouais. Ah, bah voilà, c'était pour récupérer la bouboule. Voilà, nickel. Récupère la bouboule. Il va falloir céder de ça, du coup. Je dois aller où comme ça? What the fuck? Pourquoi ça me donne? Attends, attends, attends. Parce que la bouboule là. Il y a une bouboule qui doit aller là-bas. Pourquoi est-ce que je prends pas la bouboule et je l'emmène pas là-bas? Ouais, parce que je peux pas en fait. Ah si en fait. Si je fais ça. Pas besoin d'une étape là, en fait. Genre. Quel est le fuck? Genre, tu prends la bouboule. Tu prends la bouboule, t'as pas besoin d'une étape plane. Tu la mets là. Ah oui, ça t'ouvre la porte en fait. Pourquoi ils m'ont donné un delta plane? Ils voulaient qu'en fait je transporte la boule sous le delta plane. Alors qu'il faut être malin en fait. Genre, pourquoi se casser la tête? Ouais.
Bon, je pense qu'il y en a qui ont fait ce que j'ai fait, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui ont peut-être fait justement ce qui n'était pas censé, qui n'était pas obligatoire, quoi. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On va aller se donner un cœur, on va aller au village Piaf. On va aller au village Piaf, on va se téléporter là-bas et on va aller prier la déesse. Hop. Alors le village Piaf, où est-ce qu'il est? Il est là, hein. Je sais qu'on doit sauver la princesse Zelda, mais malheureusement je ne peux pas. Il faut d'abord que j'économise des rubis pour pouvoir m'acheter la tenue qui anti-froid. Eh oui, Babil, eh oui. C'est pas pour tout de suite. Le jeu est calculé pour. Alors si c'est comme dans Breath of the Wild, à la montagne d'Ordine, il y aura peut-être moyen de se faire énormément de rubis, hein. Donc bon. Malheureusement là-bas il faut une tenue anti-chaleur. Et oui, c'est comme à chaque fois. Ouf. Un cœur en plus. L'animation est stylée quand même. Oh yeah. Nous avons un cœur en plus. Et du coup, je vais me re-téléporter ici. Parce que le sanctuaire est vers le labyrinthe, en fait. Je l'ai raté à chaque fois, j'ouvre pas la carte et je me dirige pas vers le bon endroit. Faut que je fasse ce sanctuaire parce que ça me stresse. Je voulais le faire. Il faut le faire. On va voir aussi pour activer d'autres tours. Bon, il va falloir que je me recatapulte. Putain, je le trouve pas, hein, y a rien à faire. Hein. Il est par là. Il est ici, regardez, là. Il est juste là. Là-bas, vous le voyez là-bas? C'est celui-là que je veux faire. C'est quoi cette lumière là-bas là? What? Alors ça c'est certainement pas une tour, hein. C'est certainement pas une tour, hein. Est-ce que vous croyez que je peux atteindre la plateforme qui est là? Ouais, comme ça j'ai encore un peu d'élan. Oh, ça va être juste. Dommage. Je vais avoir tout juste assez pour... Hop, on va se donner une fusée.
Voilà. Là, on est chargé. Hein. Oh, vous avez vu celui-là là? C'est pratique pour monter ça. Ok. Surtout pas falloir que je me chie. Quand tu peux pas escalader, tu fais comme ça. Allez hop. Bon voilà, on enchaîne les sanctuaires finalement. Hein. Écoutez, on s'occupe comme ça. Mais faudrait quand même que je pense à fermer les rubis. Hein. Ça, c'est une évidence. Un coup de maillet. Ah. Oh. Je crois savoir ce qu'il faut faire. J'irai plus comme ça. Pas, hein. Ah, j'ai vu le coffre là-haut. Hein. Je l'ai vu, je l'ai vu. La question c'est... Parce qu'en fait... Je peux le récupérer, hein, c'est pas le souci. Hein. La question c'est, est-ce que la fusée va réapparaître? Ah oui, elle réapparaît. Oh, un arc de 30! Échanger. Faut juste des flèches quoi. Là, alors ça tourne ça non? Je pense que ça va tourner. Hein. On l'a enfin eu quoi. Putain mais j'ai galéré pour ça quoi, sérieux. Bon, il y aura eu un cut, hein, ça de toute façon vous en doutez. Parce que là... Ah ça se jouait vraiment presque limite au pixel près j'ai envie de te dire. Hein. Parce que j'ai fait exactement la même chose avant mais bon un peu plus éloigné mais... Ah il était casse-couille celui-là. Hein. J'ai bien fait de pas le faire dans le dernier épisode parce que sinon on serait à plus d'une heure vingt. J'ai mis au moins 15 minutes à faire ce truc-là, vraiment. C'est... Ok, bon, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'il y a lui aussi, là. Lui, il faudrait qu'on l'emmène. Hein.
Oui, je sais qu'il y a ton pote là-bas. Je sais. Laisse-moi te prendre. Voilà. Alors, ça va être un peu long, mais... On aurait pu y aller en véhicule, mais bon. Je vais rejoindre mon ami. Ah bah je t'emmène à ton ami. T'inquiète pas. Alors. Bon, Babil va me défendre. Babil va me défendre, c'est sûr. Merci d'avoir ramené mon ami, tiens, c'est pour toi. Yeah, salut! Let's motherfucking go! J'ai envie d'aller voir ce que c'est que ça là-bas là. Genre vraiment. Même là en fait il y a quelque chose. Je sais pas si je pourrais arriver. Babil, aide-moi. Aide-moi, 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 aide-moi. Oh. Heureusement que Babil est là. Ah mais en fait, on est au-dessus du labyrinthe. Vous croyez seulement que je peux le faire. Oh, ce serait trop simple. Aucune idée. Je voulais aller là-bas. On est très loin, il y a un sanctuaire qui est juste là-bas. Ah merde, il va pas venir avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez. Il y a de la flotte là ou quoi là? Il y a quoi là en bas? Oh la taille du dragon mon gars, mais laisse tomber quoi. Je sais pas du tout ce qu'il y a là en bas, mais ça me rassure pas en fait. Oh merde. Bah je crois que... Il y avait le vide. Il y avait effectivement le vide. Donc en fait par là... Par là on peut pas trop passer. Putain,
le dragon, il rentre dans un... What the fuck? Ah, mais c'est une tour, en fait, ça, là-bas. D'accord. Depuis le début, c'était une tour. Sanctuaire là-bas. Je pense que je m'y prends mal quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. En fait, si on regarde. Le pouvoir là de Babil, c'est un peu comme le truc de Revali en fait. Mais un peu moins puissant quoi, puis ça te permet d'aller tout droit au lieu d'aller. Ah putain, il est chiant à chaque fois à dire ça. Voilà, c'est bon, je peux passer là. Bon les gars, je fais que passer hein. Bon, on va aller à la tour hein, du coup. Hein. On va aller faire la tour. Beaucoup d'exploration, hein. Ce qui serait bien, c'est que, bon, là on est sur des phases, des faces un peu très montagneuses en fait. Donc peut-être qu'on va trouver des gisements. Est-ce que c'est possible de trouver des gisements aussi en surface? Parce que jusqu'à présent, je crois qu'on a trouvé des gisements, mais que en souterrain. Champilam. Donc, franchement, si on peut trouver des gisements à la surface, c'est cool parce que ça pourrait dire qu'on pourrait farmer et se faire des rubis, quoi. Donc je sais pas. Ah ouais. Oh. Attendez, attendez. Je sais. Je. Il m'a one shot. Parce que je sais comment le tuer. C'est comme dans Breath of the Wild. Il faut que tu montes sur sa tête et que tu tapes sa pierre. Ah putain, on aurait pu farmer. Là, on aurait pu se faire des rubis. Là. On aurait pu se faire des rubis. La question maintenant, c'est. Où est-ce que. Ok, je réapparais ici. Ah, ça va, je suis pas mort loin. Je suis mort là-bas, ok. Bon, on va essayer de le retaper, hein, très clairement. Mais il faut que pour ça... Non. Il faut que j'aie une grosse massue. Ouais, voilà, genre celle-là. Oui. Merci. Donc toi tu vas te réveiller alors. Voilà, c'est ça, réveille-toi. Ah oui, mais par contre je fais pas beaucoup de dégâts. Je fais vraiment pas. Et il va me re-one shot. J'ai pas le niveau pour.
Il faudrait que je puisse tirer une flèche de bombe là. Ouais, mais c'est tout quoi. Un truc qui fait pas mal de dégâts. Attends, ça, 17. Des bras maintenant, comment tu fais? Ah, t'as nouveau tes bras. Le problème, c'est que j'ai pas de flèche. Je sais pas, genre. Allô? Il va me buter. Ah, il va me buter, hein, c'est sûr. Si j'arrive à le buter, c'est cool, hein. On n'a pas le niveau, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Allez, on fonce vers la tour, c'est pas la peine, j'ai pas envie de me taper des game over et surcharger l'épisode pour rien. On n'a pas le niveau, c'est tout. On n'a pas les armes, on n'a pas l'armure, on n'a rien en fait. On n'a rien du tout. On peut pas en fait, on est trop à poil, on peut pas. On se fait trop one shot, on n'a pas assez de cœur, c'est... Ça sauvegarde pas. On peut pas. Quand on peut pas, on peut pas. Alors ceci dit, j'aurais peut-être pu tester un truc. Parce que j'ai vu ça dans une vidéo. Mais bon. Il est plus là ? Il est là en fait, mais je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Moi, ce que je veux faire, c'est la tour qui est là-bas. Ouais, il tourne autour de ce truc là, lui. Alors par contre, c'est vraiment la merde, hein. S'il me reste une flèche, mais en deux. Ça, on va s'en servir. On va s'en servir, ça. Décollage. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, j'avais pas capté ça.
Pourquoi il y a de la brume violette comme ça ici là? C'est étrange à mort. C'est quoi ce bruit? Tu es venu voir la tour de reconnaissance, c'est ça? Tu ne peux pas te servir de la tour de reconnaissance pour le moment, je m'excuse pour les arrêts. En plus, je vois pas trop comment la réparer. Quel est le problème? Eh bien, pour une raison qui m'échappe, le terminal qui contrôle le tour de reconnaissance ne s'active pas. J'ai minutieusement inspecté chacune de ces pièces sans rien trouver de défectueux. Je me demande si la panne ne viendrait pas de la tour de reconnaissance elle-même. Ah? Je crois que je sais pourquoi. C'est à cause de ce qu'il y a là-haut. Ça bouge en fait, faut juste que je l'enlève. Ah. Est-ce que je peux faire ça? J'aurais dû atterrir et l'enlever. Ah, c'est juste ce qu'il y a là au-dessus là. Ouais, regardez, en plus il nous donne des trucs, c'est pour grimper ça. Ce qu'il faut juste faire, c'est se mettre ici, je pense. Décaler ça. Et voilà. C'est tout bête, hein. J'aurais dû atterrir dessus dès le début quand j'ai vu ce machin, ça servait de capuchon en fait. Voilà, bon bah écoutez, on descend. Le terminal est réparé alors que j'ai même pas levé une aile. Ah bon, il y avait un obstacle au sommet de la tour de reconnaissance. T'as mis un oiseau, tu peux le voir. Ce terminal fonctionne de pair avec le couvercle au sommet de la tour. Donc j'imagine que comme le couvercle était bloqué, le terminal ne pouvait pas se mettre en marche. Enfin bref, maintenant que le problème est réglé, je n'ai aucune raison de m'éterniser ici. Je te remercie d'avoir réparé la tour de reconnaissance. Allez, j'y vais, j'ai encore du pain sur la planche. Yeah. C'est important les tours de reconnaissance. Oh! Est-ce que la brume violette qu'on voit, ce serait pas la grande forêt d'Hyrule? Je me demande. Ah, on est très très haut. Hein. Les tours de reconnaissance, elles nous font aller très très haut. Bon, on va essayer de trouver un... Ouais, c'est ça, hein. La brume, là. La brume, c'est la forêt d'Hyrule. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là-dedans, on peut se perdre, en fait. Bon, attendez, parce que j'ai vu des... Il y a un labyrinthe au-dessus du labyrinthe. Genre... un truc de dingue. Où est-ce que j'ai vu un sanctuaire juste avant? Là-bas. Et sinon, il y en a un plus haut là-bas. On va aller déjà à celui-là. Hein.
Là-bas, il y a la montagne d'Andine, donc par là. Par là, on va commencer peut-être à pouvoir trouver des. Bah, des gisements en fait, hein. Des trucs. Même ici, hein. Et il y a un truc à faire avec les géoglyphes là, vous avez vu, hein. Genre là, il y a une épée. Oh non, merci le loup. Ah, oh, je vais me faire larguer des moblins sur la gueule, je crois. Moi, oh, je fais que passer, hein. Moi, oh, je vous dérange pas, hein. Je ne fais que passer. Hop. Bah du coup, on va faire encore on va faire encore ce sanctuaire là, puis on va pouvoir se laisser. Littéralement. Droite ou gauche? Ah oui, d'accord, je comprends. J'ai capté direct. Donc là, c'est droite. Allô. Bon, merci. Si je fais un retour arrière. Ah non, en fait, non, ça sert à rien. Ça. Non, en fait, il faut que je la fasse tourner. On va la faire tourner comme ça. Voilà. Et ensuite. Ce fut très rapide. J'ai pas vu de coffre, mais bon. C'est pas grave. Bon, ça, je crois que c'est le deuxième. C'est ça. Vous savez quoi? Avant de se laisser, on va réactiver nouveau. On va nouveau se téléporter à la tour de reconnaissance. On va se remettre nouveau dans les airs. Et on va se diriger vers le sanctuaire qui était sur la falaise, là, sur le bord. On va aller faire celui-là aussi. Hop. Le prochain épisode, il faudra vraiment que je me fasse des rubis. Hein. Ouais. Il est juste là en bas, je le vois. Alors ceci dit, il y a cette fleur là qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? En forme d'île là. Enfin cette île en forme de fleur plutôt. On dirait qu'il y a un truc à faire là-dessus. Vu qu'on est de passage, autant aller voir. J'ai vraiment l'impression que quand on découvre la carte, quand on est dans les nuages, on arrive à voir ce qui se passe en fait dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? What the fuck?
Oh, on descend dans une calamité. Qu'est-ce qu'il a écrit? Cette inscription est rédigée en irulien ancien. Vous ne pouvez pas la déchiffrer. Bon, il y a des trucs ici. Il y a des trucs ici, mais on va pas s'en occuper maintenant. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis, on va pas s'en occuper maintenant parce que ça, c'est pour plus tard. On va se relancer de nouveau depuis la tour et on va aller faire ce. Enfin, on va aller activer ce sanctuaire et on va se laisser à ce sanctuaire. Voilà, on garde le rituel en main, très clairement. Hop! Je m'attendais pas du tout à ce que le truc tombe, hein, vraiment. J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Il y a des choses hein, sur ces îles, hein, il y a des choses. Hein. Ah, et puis même là-bas, il y a des trucs, vous avez vu. Hein. Il y a comme des escaliers gigantesques là, je sais pas trop ce que c'est là. Hop. Bon bah c'était l'entrée d'une calamité hein, tout simplement. Voilà. Allez, on va activer ce sanctuaire. Et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, une fois de plus, 56 minutes. Difficile de faire moins, très clairement, parce que je trouve qu'en fait, c'est trop court, en fait, 40 minutes. Hein, littéralement, pour un jeu comme ça, c'est trop court. Donc on va rester peut-être sur 50 minutes à chaque fois, allez savoir. Surtout qu'il y aura des lives aussi qui dureront je sais pas combien de temps, parce que j'ai prévu de faire un live déjà très bientôt pour activer toutes les tours de reconnaissance. Ensuite, il y aura un live pour aller chercher toutes les batteries. Pour qu'on ait toutes les batteries, en fait. Parce que vous voyez, on a notre poche ici, là. Et ce serait bien qu'on ait toutes les batteries, en fait. Donc, voilà, ce serait sympa. Parce que j'ai une carte interactive où, où je peux interagir dessus et savoir où elles sont. Donc, ça pourrait être sympa de faire déjà deux lives pour ça. Donc, un live pour les tours, un live pour les batteries. Et après, il y aurait un live aussi pour faire tous les sanctuaires. Bon, plusieurs lives, parce que pour les faire tous, c'est chaud. Mais, comme ce que j'ai fait pour Breath of the Wild... On va faire pour Tears of the Kingdom, donc voilà, il y aura aussi pour les noix Korogu, normal. Et donc voilà. Donc sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 11, j'espère qu'il vous aura plu, pensez au pouce bleu, et à la prochaine. C'était Ikonite, see you for the next episode. Oh yeah.